OK. D'abord, le premier résultat, moi qui me semble le plus important, c'est un résultat de satisfaction OK. et de confirmation. Oui. Parce que oui, nous avons dit qu'on veut servir le maximum de pauvres, plus de 60% de pauvres dans notre portefeuille. Alors, le PPI nous a démontré, oui, que nous sommes dans cette mission, dans cet objectif. Ça, c'est le premier élément. Sur la base aussi de ce résultat, aujourd'hui, on peut l'utiliser comme un outil de marketing aussi. Oui, un support. En disant aux bailleurs, aux partenaires, aux investisseurs sociaux, regardez ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes une institution qui sert en priorité les pauvres. Ça, je pense que c'est extrêmement important. L'autre aussi résultat, je l'avais dit tantôt, hein, ça nous permet d'orienter notre action vers les plus pauvres pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on a décidé, par exemple, de mener une enquête sur 1 000 nouvelles adhésions. Oui. Si on fait sur 1 000, ça nous permet donc de voir sur les 1 000, effectivement, on a plus de 60%, oui ou non. Et ça, on va le prouver sur le résultat. Autre élément, ces 1 000-là, nous allons le suivre pendant 5 ans. C'est pour voir où est-ce que ces clients-là étaient au départ et où est-ce qu'elles seront après 1 an, après 2 ans, après 5 ans. Et ça aussi, je crois que ce sera un outil, des supports extrêmement importants pour l'institution. Par contre, moi, je ne vois pas tout de suite le PPI comme un outil qui va beaucoup nous aider pour développer de nouveaux produits. Je ne sais pas. Oui, pour moi, je pense que pour développer de nouveaux produits, il faut un autre outil, peut-être qui permet de voir la satisfaction de la clientèle, un outil d'évaluation de la satisfaction de la clientèle, qui vont donner leur appréciation sur les produits que nous prêtons. Et en ce moment-là, on pourra voir si on améliore les produits ou si on développe de nouveaux produits. Mais le PPI nous renseigne surtout sur le niveau de pauvreté de la clientèle.